le jeu fait par des citoyens pour des citoyens, c'est de savoir parler de plus en plus pour expliquer le phénomène qui n'était pas expliqué par le médecin. C'est de trouver au milieu qu'est-ce qui va faire que tout ça va être organique ensemble. Je pense que c'est bien. Cercle, conversation, ça fait partie des technologies sociales. Il y a toujours le côté virtuel et le côté, on va dire, matériel, si je peux utiliser ce mot-là. La leçon de Marcy, notre intention, c'est d'avoir un impact sur le monde. C'est notre mission à nous. Fait que nous, on est à la recherche de est-ce que ça prend des sensors, de géolocalisation, du mapping massif. C'est notre intention, elle est là. D'essayer de trouver des liens communs. Qu'est-ce qui rattache toutes les mouvements ensemble? Qu'est-ce qui fait qu'on est capable de communiquer ensemble? Est-ce qu'en ce moment, ça ne se passe pas? Ça prend un respect mutuel. La compréhension, l'information, mais pas juste l'information, l'infiltration. Et ça a été nommé tantôt, il faut réellement qu'il y ait une façon d'infiltrer les gens qui ne pensent pas comme nous. Et ça va les deux sens. Il faut aussi que les vrais faits soient relatés, ce qui n'est pas fait. Il y a du monde qui ne sont pas à gauche, qui vont participer, qui vont vouloir jouer, qui ont des points de vue qui sont complètement différents, puis là, ça va devenir citoyen. C'est par là que la conciliation va passer, parce que c'est de la compréhension. C'est un trait d'union qu'il faut, finalement. Visualisation du portrait global, information réelle, puis aussi écouter l'autre. Le jeu pourrait nous amener à la réconciliation. Comment est-ce que c'est un jeu? Ça pourrait être un jeu. Le social good pour moi, là, c'est pas d'empêcher un message de passer, c'est de changer de format, de jouer ensemble dans un dialogue qui prend pas forme à l'éloigner. Pour moi, j'aime bien le jeu, mais ça peut être du numérique ou du électronique. Dans un jeu électronique, on peut avoir des éléments non technologiques. Moi, l'outil jeu est fort, ça c'est sûr sur ça. Je crois beaucoup au fait que tu peux apprendre énormément, tu peux t'engager énormément à travers quelque chose qui est ludique. Ça, c'est définitif. Mais je ne limiterai pas notre définition-là à jeu vidéo. Et qu'est-ce qui va faire que le monde embarque et fait les actions qu'il faut? Ça va être une petite créature que tu entretiens, puis elle est contente quand tout va bien, puis elle n'est pas contente quand les choses vont moins bien. Fait que c'est un mécanisme de plaisir. De gratification. De gratification. Puis c'est un plaisir, ça peut être le plaisir de donner ton savoir. C'est ce qui fait rouler Wikipédia. Rapidement, quelque chose sans même dans mon courant. Sur le web, en tant que tel, à part les réseaux sociaux qui ne créent pas tant de consensus que ça, qui divisent plus qu'ils créent des consensus, c'est aussi d'imaginer un dashboard. T'sais, en marketing, on a des dashboards pour observer 100 000 conversations, savoir si c'était dans le champ. Ça. On devrait créer un dashboard citoyen qui dit on s'en va-tu dans un mur avec ce qu'on fait en ce moment. Il n'y a pas d'historicité, on est dans le présentéisme. Le dashboard implique le mot visualisation. Sur comment entretenir un dialogue qui est bien fondé, ça revient à la définition de technologie sociale, le dialogue de qualité, ça se quantifie quand même. Donc la notion de revenir à la conversation de cuisine, hein? On est dans les cuisines, on a transformé le monde. Il y a eu une